pour nous assister en studio deux invités. Le premier invité n'est autre que l'ambassadeur de la République centrafricaine, M. Kombot Nagemon, et à ses côtés, M. Claude Rousselot, qui est français, qui est ingénieur géographe et qui vient d'achever un séjour de 4 ans en République centrafricaine. Merci messieurs de participer. Je pense maintenant qu'il nous reste à découvrir, morceau par morceau, séquence par séquence, cette République centrale africaine. Séquence 1. Au cœur de l'Afrique, au carrefour des mondes islamisés et bantous, s'étale un vaste territoire de 623 000 km² appelé République centrafricaine, depuis l'accession de ce pays à l'indépendance en 1960. Cet ancien territoire français d'Afrique équatoriale devait autrefois son nom d'Oubangui-Chari aux deux cours d'eau qui jouxtent les républiques du Tchad et du Zaïre, le Chari au nord, l'Oubangui au sud. Capitale, Bangui. Le grand affluent du Zaïre, l'Oubangui, qui fait vivre aujourd'hui les pêcheurs des deux pays riverains, fut l'objet d'une bien curieuse lutte d'influence entre Belges et Français à l'époque coloniale. Après avoir fait reconnaître l'existence juridique de l'État indépendant du Congo, le roi Léopold II voulut s'assurer le contrôle de la vallée du Nil. La possession de l'Oubangui lui paraissait essentielle pour réaliser son ambitieux projet. Mais les Français, sous l'impulsion de Brazza, avaient obtenu que la frontière entre les deux puissances coloniales fût établie sur l'Oubangui. Encore fallait-il s'accorder sur le cours réel du grand affluent. Une divergence d'interprétation géographique entre Belges et Français fut mise à profit par Léopold II. Des missions belges s'établirent en territoire oubanguien, en même temps que les Français se livraient à des reconnaissances parallèles. Un conflit semblait inévitable quand, en 1894, le roi Léopold II accepta de reconnaître le cours supérieur du grand affluent du Zaïre et, par voie de conséquence, l'influence de la France au nord. Bangui allait devenir au fil du temps une capitale de 300 000 habitants, près du huitième de la population du pays. Une capitale qui s'est développée à un rythme accéléré, sans se laisser dévorer par un urbanisme étouffant. Bangui a bien changé depuis 1946, époque où l'abbé Boganda, député oubanguien à l'Assemblée nationale française, avait décidé d'engager le combat politique pour obtenir le droit des Africains à la dignité et au travail. Mais Boganda, tué dans un accident d'aviation en 1959, ne devait pas connaître l'heureux aboutissement de son combat pour l'indépendance. David Dacko lui succéda jusqu'en 1965, année où le maréchal Bokassa prit le pouvoir. Récemment, Bangui connut un développement plus grand encore. Construction d'un ensemble moderne pour abriter les services de l'Organisation commune des États africains et malgaches. L'Union douanière économique de l'Afrique centrale. L'université et de nombreux bâtiments publics. Un urbanisme qui confère à la cité centrafricaine un éclat de la meilleure veine. Ambassadeur de République centrafricaine. Alors nous venons de voir et d'évoquer surtout par le commentaire comment la République centrafricaine s'est constituée. On a parlé à propos de la constitution de tous ces États
après l'indépendance de 1960, on a parlé de balkanisation. Alors, lorsqu'on évoque la figure du premier leader important qu'a connu votre État en formation, c'est-à-dire M. Boganda, l'abbé Boganda, je pense qu'il avait derrière la tête, au moment où il a entrepris son action conduisant à l'indépendance qu'il n'a pas connue, puisqu'il est mort en 1959, je crois qu'il avait tout de même une autre idée de la création de tous ces États qui forment une mosaïque en Afrique centrale. Quelle était-elle? Oui, en effet, comme vous le savez, l'abbé Boganda, qui après avoir été abbé, s'est consacré à la vie politique pour, après avoir œuvré pour sauver les âmes, a décidé d'œuvrer pour sauver le corps de ses concitoyens. L'abbé Boganda, donc, le président Boganda, comme nous l'appelons, avait pour programme de tout faire pour que les territoires qui étaient regroupés au sein de ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale française demeurent unis après leur indépendance dans le cadre d'un État qui s'appellerait Union des Républiques d'Afrique centrale, URAC. Malheureusement, c'est un programme, comme vous le dites, qui n'a pas abouti, mais ce programme, l'idée en est restée dans nos emblèmes nationaux, notamment dans notre drapeau. Le drapeau centrafricain, comme vous le savez, a 4 couleurs qui, dans son esprit, représentaient chacune de ces couleurs, devait représenter chacun des États de l'URAC, je dirais. C'est-à-dire essentiellement le Cameroun, le Tchad, le Tchad, l'Oubangui, le Congo et le Gabon, qui constituaient l'Afrique équatoriale française. Et le drapeau, donc, 4 couleurs, traversé par une bande rouge qui, donc, constitue, n'est-ce pas, l'unité par le sang versé ensemble sur les terrains de bataille pour la construction. Je vous pose une autre question. Est-ce que sur le plan ethnique d'abord, sur le plan culturel ensuite, est-ce qu'il y avait des raisons d'unifier tous ces peuples? C'est-à-dire, est-ce qu'ils parlent une langue qui s'apparente? Est-ce que, sur le plan de la morphologie, ils sont très unis? Ce sont généralement des peuples unis. Évidemment, des frontières existent, comme partout, mais dans l'idée de Boganda, il était essentiel que ces peuples restent unis pour des raisons et politiques et économiques, car pour lui, l'avenir appartient aux grands ensembles et des indépendances morcelées n'avaient pas, n'est-ce pas, d'avenir dans son esprit. Et surtout, un pays comme la République centrafricaine, pays enclavé comme le Tchad, devait, avec les autres pays frères et amis, voisins, constituer nécessairement une unité pour que ce soit un ensemble viable. Si vous le permettez, Excellence, nous reviendrons à ce problème d'enclavement parce qu'il est essentiel, l'accès à la mer, etc. Mais quand on dit grands ensembles, il ne faut pas perdre de vue que la République centrafricaine, qui apparaît comme une petite entité en Afrique, fait quand même 600 et des 1000 kilomètres carrés, ce qui fait quand même un territoire plus grand que la France. Enfin, nous y reviendrons, il n'est pas fort peuplé. Une petite réaction de notre géographe, qui lui vient de séjourner là-bas, M. Rousselot. M. Rousselot, nous venons de présenter la ville de Bangui. Par quoi se caractérise-t-elle d'emblée? C'est une ville qui nous frappe par sa propreté. Comparaison avec les autres capitales africaines. C'est une ville qui est très fleurie, et vous avez de grandes allées qui sont bordées de flamboyants. Et alors, à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote à raconter. Un jour, il y a des Américains qui se promenaient dans Bangui et qui ont vu des hommes en tenue rayée, rouge et blanche, et qui pensaient avoir affaire à une équipe de polo, joueurs de polo, puisque ces gens travaillaient près d'un centre hippique. En fait, c'était tout simplement des prisonniers qui sont chargés de nettoyer la ville. Et alors, on a appelé d'ailleurs, les Centrafricains appellent leur ville Bangui, la grande coquette. Merci, nous passons à la séquence 2.
C'est le 31 décembre 1965 que le maréchal Jean Bedel, Bokassa, prenait le pouvoir détenu par David Daco. Il dénonçait la corruption qui entraînait le pays vers le chaos, il mettait fin à l'action du Parlement, il assumait la totalité du pouvoir exécutif. Le 1er mai, fête du travail. Le maréchal Bokassa, devenu président à vie, reçoit l'hommage des travailleurs et des membres du parti unique, le MESAN, le mouvement de l'évolution sociale en Afrique noire. Ce jour-là, le pays tout entier est mobilisé, l'armée, les travailleurs, la télévision et la radio sont présents, les commentaires sont en sango, la langue nationale, le français reste cependant la langue officielle. So amlengeti kodro oko oko agasrasi amuna kodro jina nduzu vipaze mingi na En 11 années de pouvoir, le président Bokassa s'est taillé des réputations très diverses. Pour les uns, une puissante personnalité, une attitude exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale, un patriotisme sourcilleux lui valent des éloges flatteurs. Pour de nombreux Belges, il laisse le souvenir d'un chef d'état-major qui, en 1964, accueillit chaleureusement les réfugiés de Stanleyville. Pour d'autres, un tempérament autoritaire, un partisan convaincu de mesures punitives radicales. Ses décisions politiques tranchées lui attirent des critiques. En politique étrangère, le président Bokassa a toujours pratiqué une politique d'ouverture très fluctuante, à l'est comme à l'ouest, sans jamais faire basculer son pays dans un camp plutôt que dans un autre. Monsieur l'ambassadeur, nous venons d'évoquer la personnalité attachante, très particulière, de votre président, le maréchal Bokassa. Par la voix de notre commentateur, nous avons entendu que sa politique étrangère était fluctuante, c'est-à-dire tantôt orientée vers un bloc, tantôt vers l'autre. Dans l'ensemble, assez ouverte. Il n'est inscrit pour personne que les rapports avec la France ont été parfois tumultueux, jusqu'à ce que le président Giscard vous rende visite il y a peu. Une des choses qui m'ont étonné, je dois dire, dans les comptes rendus que j'ai entendus à propos de votre pays, c'est que vous avez, vis-à-vis de l'Afrique du Sud actuellement, non seulement une politique de dialogue, ce qui est compréhensible parce que vous n'êtes pas seul, mais même des relations commerciales.
Et alors là, je ne sais pas, je voudrais que vous m'expliquiez. Vous avez parlé de la personnalité de mon président, président Maréchal Bokassa, président à vie. La politique centrafricaine n'est pas du tout fluctuante. Elle est claire, vous savez que ce n'est pas au moment où tout le monde parle de coexistence pacifique, de paix, d'amitié, que des pays comme les nôtres devraient venir contribuer à jeter de l'huile au feu. Le maréchal Bokassa est un soldat, un homme de guerre, il connaît les méfaits de la guerre, et donc son idéal est de travailler pour la paix. Et les pays comme les nôtres, comme tous les pays du monde, ne peuvent prospérer que dans la paix. C'est pour cela que la politique extérieure centrafricaine est une politique d'amitié, de coopération avec tous les pays, avec tous les blocs. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune... il n'y a pas d'équivoque du tout, il n'y a pas de malentendu. Afrique du Sud, là aussi, il n'y a pas d'équivoque possible. La République centrafricaine, comme les autres pays africains, membres de l'OUA, réprouve, n'est-ce pas, l'apartheid comme méthode, n'est-ce pas, le gouvernement. Néanmoins, la République centrafricaine, sous la conduite de Maréchal Bokassa, œuvre pour la paix, pour la négociation, pour le dialogue avec tous les pays du monde, y compris l'Afrique du Sud. De toute façon, si vous parlez de relations commerciales, je crois que les statistiques sont là pour prouver que même ceux qui crient le plus fort, le plus haut pour une politique armée ou autre avec l'Afrique du Sud, eh bien, se retrouvent en très bonne place dans des statistiques de commerce avec tout le monde, y compris l'Afrique du Sud. Je crois que je ne peux pas aller dire plus loin, n'est-ce pas, qu'on s'est compris. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Néanmoins, votre voisin, tout à l'heure, me disait que cette politique commerciale vis-à-vis de l'Afrique du Sud avait provoqué une série de réactions quand vous étiez à Bangui, parmi les jeunes. C'est bien exact. Oui, les jeunes ont du mal à concevoir que leur gouvernement traite économiquement avec les représentants d'un gouvernement qui, finalement, fait une politique raciale. Et les jeunes, dans l'ensemble, ont du mal à admettre cette position du président Bokassa. Enfin, je crois que monsieur l'ambassadeur vient de s'en expliquer. C'est une explication que nous enregistrons. Et nous passons à la séquence 3. La parade terminée, chacun rentre chez soi. Pour ces provinciaux, le transport en commun a été baptisé avec humour Boeing 749. Historiquement composé de nombreuses ethnies, la République centrafricaine forme aujourd'hui une nation homogène. Toute allusion dans les actes officiels ou privés à la tribu ou à l'ethnie est interdite. C'est une volonté politique qui a pour objectif de maintenir la cohésion et l'unité des Centrafricains. Plus de 85% de la population vit de l'agriculture. Manioc, sésame, mil constituent, suivant les régions, la nourriture de base. Sur le plan plus général de l'économie, le coton est devenu l'une des cultures obligatoires
est l'un des premiers produits d'exportation. D'abord en nette régression après l'indépendance, sa production est aujourd'hui en hausse. Pour y parvenir, l'État a réduit les zones cotonnières au seul secteur rentable. Il a aussi créé une société à capital majoritaire centrafricain qui couvre tous les stades de la commercialisation, mettant fin aux abus dont tiraient profit les vendeurs. Mais la République centrafricaine subit davantage que les autres pays d'Afrique son éloignement de la mer, ce qui entraîne pour elle des charges de transport énormes. 1200 km de voies fluviales jusqu'à Brazzaville, 500 km de chemin de fer jusqu'à Pointe-Noire, telles sont les contraintes géographiques d'un pays auquel le colonisateur n'a laissé aucun réseau de chemin de fer. Et Bangui, avec ses bancs de sable, reste un port difficilement accessible en certaines périodes de basses eaux. Nous avons dit, à propos du coton, nous avons parlé de culture obligatoire. Là, monsieur l'ambassadeur a voulu, et il a parfaitement raison, faire une rectification en ce qui concerne la précision du terme. Culture obligatoire du coton, actuellement, ce n'est pas le terme qu'il convenait d'utiliser. Pourquoi? Oui, dans le commentaire, on dit que la culture est devenue obligatoire. Oui. Ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est même pas exact du tout, car des cultures obligatoires, il y en a eu, n'est-ce pas? Dans le cadre du travail forcé. Donc on était obligé à l'époque de faire le coton d'une manière obligatoire, sinon on risquait la prison. La récolte de caoutchouc aussi était une culture obligatoire. Et c'est d'ailleurs pour cela que le président Boganda, dans sa lutte, n'est-ce pas, pour l'émancipation et l'indépendance du pays, a axé justement son action pour supprimer ce caractère obligatoire de la culture de coton. Après l'indépendance, le coton fasse partie du programme de notre développement. Et cela est tout à fait d'accord, nous sommes d'accord avec cela, mais dire que le coton est devenu une culture obligatoire, j'ai tenu à relever cela comme inexact sur le plan historique, n'est-ce pas? Le fait est qu'actuellement, pour développer notre pays, nous devons cultiver du coton, du café et d'autres produits, bien sûr. Mais il est bon de préciser que ce n'est pas dans le même esprit qu'avant l'indépendance, dans le cadre de la culture obligatoire du temps colonial. Élargissons le problème, si vous voulez bien. Prenons le problème de la République centrafricaine tel qu'il est actuellement en 1976. Et il y a évidemment ce qui concerne la situation du pays qui est entouré d'autres voisins, mieux situés parce qu'il y a un accès direct à la mer. Il y a là un gros problème dit d'enclavement. Vous êtes vraiment sans aucune issue naturelle. Qu'est-ce qui se passe en été? Qu'est-ce qui se passe pendant la saison des pluies? Qu'est-ce qui se passe pendant la saison sèche? Expliquez-nous cela. En effet, nous sommes à 1200 km de Douala, oui. Port, en territoire camerounais, pays voisin, et à 1400 km de Pointe-Noire. Et on voit ici sur la carte, c'est assez précis, voilà Bangui, la capitale. Et vous voyez, il y a, mine de rien... Pointe-Noire et oui. Douala, n'est-ce pas, dans le creux là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui, d'accord. Eh bien, donc, nous atteignons Douala par la route. Et Pointe-Noire, d'abord par le fleuve de Bangui à Brazzaville. Et de Brazzaville à Pointe-Noire, n'est-ce pas, il y a le Congo-Océan, oui. N'est-ce pas, dans le chemin de fer. Oui. Mais dans notre problème, nous nous heurtons à des difficultés parce que, en saison sèche, comme vous le savez, nos fleuves sont à sec, n'est-ce pas? Et donc le niveau d'étiage du fleuve est très bas et la navigation s'en trouve donc entravée. Et en saison de pluie, les routes qui sont bonnes en saison sèche, en saison de pluie, la route qui va de Bangui à Douala est embourbée et les camions, n'est-ce pas, ne passent que très difficilement. Quelle serait la solution? Donc, dans un cas comme dans l'autre, nous avons des difficultés et la solution que nous attendons de nos voeux est d'arriver à construire un chemin de fer, n'est-ce pas, qui atteindrait la mer, n'est-ce pas,
Et c'est à cela que nous sommes attelés et le gouvernement, sous la haute présidence du maréchal Bokassa, est en train de tout mettre en œuvre pour que très rapidement nous arrivions à désenclaver notre pays par la construction d'un chemin de fer grâce à la coopération, à l'amitié de tous les pays de bonne volonté et de tous ceux qui veulent bien aider la République centrafricaine à sortir de cette situation qui nous permettrait de développer nos ressources, car nous avons des ressources certaines qui pour l'instant restent inexploitées du fait de cette continentalité. Merci. Séquence 4. La forêt représente le secteur économique sur lequel l'État centrafricain fonde aujourd'hui le plus l'espoir. D'abord, compte tenu du capital considérable qu'elle représente, 3 millions d'hectares, dont près d'1,5 million exploitables immédiatement. Ensuite, parce que les zones forestières sont situées à proximité de deux cours d'eau, la Sanga et la Lobaye, qui permettent le transport par flottage des souches abattues. Enfin, parce que les coupes sombres qui ont été faites dans certains pays d'Afrique ont poussé les forestiers à s'intéresser aux nouvelles zones exploitables. Des concessions ont été accordées à des sociétés étrangères, mais l'État centrafricain veille à ce que l'exploitation soit organisée rationnellement, de manière à ce que la forêt d'aujourd'hui ne devienne pas un désert demain. Le code forestier actuel impose aussi la transformation sur place d'un certain cubage abattu. Cette politique permet à l'État de multiplier ateliers de sciage, de déroulage, de menuiserie et d'ébénisterie. Nous abordons avec les essences d'arbres le problème fondamental pour les pays africains comme pour les pays du monde entier qui appartiennent au tiers-monde, le pays des ressources naturelles. Pour le moment, on parle beaucoup de pétrole et d'OPEP. Alors, il est évident qu'il y a un parallèle à faire, encore que si nous avons évoqué les essences d'arbres qui sont très importantes, car vous avez vraiment des ressources considérables dans ce domaine, mais il n'y a pas que cela. Il y a d'autres domaines aussi essentiels. Lesquels, monsieur l'ambassadeur ? Donc, en dehors de la forêt, nous avons des ressources agricoles importantes, coton, café, nous avons des ressources minières, n'est-ce pas ? Actuellement, nous exportons du diamant puisque ce n'est pas lourd et que la valeur en est très importante. Diamant,
le fer, n'est-ce pas, a été découvert, décelé, l'uranium, le cuivre, et bien d'autres aussi. Mais là, je m'excuse de vous interrompre, là nous en revenons à cet éternel problème d'acheminement, d'accès à la mer. Exactement. Et alors, donc, si pour l'instant ce n'est pas exploité, c'est dû à ce problème d'acheminement, puisque tout ce qui est lourd doit pouvoir être acheminé. Alors, notre ingénieur géographe, votre voisin, là, il est assez catégorique. Il dit, hélas, à long terme, pas à court terme, à long terme, hélas, ça ne débouche pas sur un profit possible. Monsieur Rousselot, expliquez-vous. Oui, d'une part, je pense que la République centrafricaine est avant tout un pays agricole. Bon, en ce qui concerne le fer, il est certain que la Centrafrique renferme d'énormes gisements de fer. Seulement, ce fer est situé à 1200 ou 1300 km de la mer. Actuellement, pas de chemin de fer, donc il est difficile de le sortir du pays. En plus, si vous voulez, le fer est un minerai qui ne manque absolument pas dans le monde. Il y a des réserves énormes dans le monde entier. Et les pays, évidemment, préfèrent acheter le fer à des pays côtiers, comme la Mauritanie en Afrique, plutôt qu'à des pays qui sont enclavés, comme la République centrafricaine. Cependant, le fer peut être utilisé localement, faire une petite industrie sidérurgique, pour les besoins du pays et les besoins du Tchad, par exemple, qui est également un pays enclavé et qui est obligé d'importer ses matières premières. Où vous différez, Excellence, c'est sur la notion de long terme et court terme. Vous estimez, vous, qu'au contraire, l'avenir, c'est proche? Oui, nous pensons que, de toute façon, on ne peut pas continuer de voir les choses dans le sens du commerce sud-nord ou nord-sud. Et ce que dit monsieur est exact. Évidemment, si nous ne devons exporter que vers l'extérieur, nous retirons toujours à ces difficultés de transport qui sont réelles. Mais il n'y a pas que ça, car nous avons l'intention, et maintenant tous les pays en développement se proposent de développer leur propre commerce, n'est-ce pas, est-ouest, entre eux. Et nous devons assurer notre développement national, notre développement régional, interrégional et continental. Et dans cette perspective, le fer de la République centrafricaine peut être utile pour les pays voisins comme ce qui existe au Soudan, le cuivre ou bientôt, n'est-ce pas, le pétrole tchadien peut également être utile pour nous autres, n'est-ce pas, pays continentaux. Alors, nous ne sommes pas du tout de nature à être pessimistes. Donc, ce fer pour nous est un atout, comme le cuivre, comme l'uranium. Les difficultés de transport ne doivent pas être considérées comme, n'est-ce pas, un handicap définitif à long terme. En attendant, vous allez peut-être faire partie, comme les pays de l'OPEP, c'est-à-dire les pays qui constituent une organisation d'exploitation et de vente de leurs produits naturels, vous allez peut-être faire partie d'une autre organisation qui va tout doucement imposer ses conditions de plus en plus draconiennes aux pays dits industrialisés dont nous sommes, et vous allez donc concourir à un phénomène international d'inflation inarrêtable. Est-ce que c'est là aussi la solution ? C'est-à-dire que le programme des pays en voie de développement n'est pas d'arriver à des solutions de ce genre, n'est-ce pas, à des associations de producteurs contre des associations de consommateurs. Et actuellement, ce qui est demandé dans tous les dialogues nord-sud au sein de la CNUSED, c'est d'arriver à des formules, n'est-ce pas, de concertation, car on est toujours producteur ou acheteur de quelque chose. Et la lutte des producteurs contre les consommateurs n'est pas la formule, la solution de demain. Le nouvel ordre économique mondial que tout le monde appelle de ses voeux n'est pas l'ordre dans lequel il y aura une guerre économique entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, les consommateurs et producteurs. Et cela, en tout cas, n'est pas la perspective dans laquelle les pays en voie de développement souhaitent s'engager, à moins d'y être contraints par d'autres. Souhaitons-le. Monsieur Rousselot, vous voulez ajouter ? Oui, je voudrais ajouter, là on parle de ressources minières, mais enfin, je voudrais insister sur le fait que la République centrafricaine est avant tout un pays agricole. Et je pense que le gros effort que doit faire le gouvernement centrafricain, c'est développer cette agriculture. Car dans cette agriculture, il y a des banques. La canne à sucre, par exemple, pourrait pousser en République centrafricaine, et finalement, on ne cultive pas la canne à sucre, on est obligé d'importer le sucre du Congo ou du Cameroun, par exemple. Donc on pourrait cultiver du sucre et fournir en sucre le pays.
Bon, d'autre part, le café, vous savez que chaque pays qui produit du café a un certain quota. Ben, dans le café, la République centrafricaine n'atteint pas son quota. Elle pourrait déjà atteindre son quota, ce qui lui ferait quand même des ressources non négligeables en plus. Donc, si vous voulez, le gros effort pour la République centrafricaine, c'est... Ça pourrait être également sur le plan agricole. Je vous interromps là parce que nous allons aborder une seconde phase qui va mieux éclairer le débat, si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur. Nous passons à la séquence 5. Alors, monsieur, apparemment, on pourrait croire que vous installez l'électricité. Ah non, 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 je fais des sondages magnétiques pour le compte de l'Orstom. C'est-à-dire ? L'Orstom, c'est l'Office de recherche scientifique et technique d'Outre-mer, un organisme d'État français qui travaille outre-mer, en Afrique, en Asie et aussi dans le Pacifique. L'Orstom fait un peu de tout. On a une section de géophysique qui comprend... des enregistrements de tremblements de terre, du magnétisme terrestre. On a aussi de la pédologie, c'est-à-dire l'étude des sols pour l'exploitation soit forestière, soit l'agriculture. Et il y avait une ancienne section d'hydrologie qui maintenant a été reprise par les centres africains, par les travaux publics. Mais pour ce travail-ci, le phénomène magnétique de Bangui... Bien, le champ magnétique de la Terre, normalement, la Terre c'est un gros aimant. Et le champ doit être homogène, c'est-à-dire qu'il doit varier de manière continue. Et il y a des endroits sur la Terre où le champ magnétique est plus fort ou plus faible qu'il ne devrait être, ce qu'on appelle des anomalies. Et ici, en République centrafricaine, il existe une des plus importantes anomalies au point de vue mondial. Et... Alors ça, c'est un magnétomètre à protons. Ça nous permet de faire une mesure totale du champ magnétique. Alors actuellement, on fait des mesures tous les 10 km. Cet appareil nous permet de mesurer le nombre d'oscillations que font les protons qui se trouvent dans la bouteille. Et à partir de ça, on peut calculer le champ magnétique. Alors ici, on ne peut pas donner directement le champ magnétique. Il faut repasser tout un tas de calculs pour tenir compte d'un effet de marée avec le soleil du champ magnétique. Alors, à Bangui, nous avons un observatoire qui nous permet de tout calculer et de tout ramener, toutes les mesures, à une même date. On voit ici nettement l'anomalie négative, dite anomalie de Bangui. Là, on retravaille dessus parce que les Américains ont lancé un satellite et les Russes aussi, deux satellites, ont découvert cette anomalie. Ce qui fait qu'on est amené à retravailler dessus maintenant. Nous nous sommes arrêtés sur un problème de magnétisme. Bien entendu, nous avons un spécialiste en studio qui est M. Rousselot. Lui qui est géographe, il connaît particulièrement le problème. Mais le point sur lequel il y a un petit désaccord, c'est que nous venons de faire confirmer par le spécialiste français sur place que cela a été découvert par des satellites américains d'abord, russes ensuite. Vous, en tant que géographe et surtout en tant que français, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cela, sur le mot découvert. Non, des études de magnétisme ont été ont commencé, je ne sais pas, vers les années 50, en République centrafricaine. Et en 1960, l'Orstom avait déjà établi une carte où figurait justement cette anomalie magnétique. Et pourquoi ne l'avoir pas clamé à la face du monde? Parce que, disons que les scientifiques qui s'étaient
pencher là-dessus, n'en voyez pas l'utilité. Mais en fait, ce n'est pas ce problème-là qui est important, que vous l'ayez découvert à ce moment-là ou non. Ce qui est important, c'est sur quoi ça débouche, ce que cela peut laisser espérer. Alors là, je crois que c'est très important. Oui, alors je dois dire, bon, alors, cette anomalie avait été découverte en 62, une carte avait été dressée, d'ailleurs c'est la carte qu'avait le technicien de l'Orstom, et par satellite, si vous voulez, les Américains ont redécouvert cette anomalie, qui d'ailleurs n'a pas la même configuration que celle qui est sur la carte. Le centre de cette anomalie est un peu déplacé vers l'ouest. Alors justement, les responsables de la NASA ont demandé, travaillent actuellement en collaboration avec l'Orstom, et ont demandé à l'Orstom de reprendre les mesures sur le terrain, des mesures beaucoup plus complètes, pour justement essayer de se mettre d'accord, d'arriver, si vous voulez, à situer parfaitement cette anomalie magnétique qui est intéressante, très intéressante du point de vue scientifique. Alors, anomalie magnétique, ça peut correspondre, si vous voulez, enfin, ça correspond à une grosse masse magnétique sous le sous-sol, dans le sous-sol centrafricain, c'est-à-dire présence certainement de fer. Alors, le fer est connu, il y a des gisements qui sont à fleur de sol, mais il est certain que dans le sous-sol centrafricain, jusqu'à certainement à des distances de l'ordre de 10 ou 15 km, nous avons d'énormes gisements de fer. C'est de fer ou bien d'autres choses? Fer, uranium aussi, certainement. C'est quand même plus intéressant, l'uranium. C'est déjà plus intéressant. L'uranium est également connu en RCA. Et si vous voulez, le gros problème, ça serait maintenant faire des forages pour voir où est situé, si vous voulez, cet uranium, parce que s'il est situé à 10 ou 15 km sous terre, c'est absolument pas possible de l'extraire. Encore une fois, on en revient au problème de communication, car s'il y a un gisement important d'uranium, qu'il soit près du sol, du niveau du sol ou assez bas en profondeur, il faut évidemment le transporter. Mais, l'uranium ne pose pas de problème, parce que finalement l'uranium, on extrait très peu de minerais, si vous voulez, ce n'est pas des quantités énormes comme pour le fer. Et puis ça a beaucoup plus de valeur. Ça a beaucoup plus de valeur, mais c'est une valeur marchande quand même qui est assez énorme. Alors on n'hésite pas à faire 1000 km. Exactement. D'ailleurs, il était prévu à un moment donné que ce minerai d'uranium irait, disons, vers l'Europe par ballon. Par ballon. Transport par ballon, ils étudiaient très sérieusement ça. Il y a des sociétés allemandes d'ailleurs qui se sont penchées sur la question. Alors vous voyez, voilà un autre moyen. On a parlé de la route, on a parlé de l'eau, on a parlé du chemin de fer. Pour les matières pondéreuses. Oui, c'est... Apparemment, vous n'étiez pas au courant, monsieur l'ambassadeur. N'est-ce pas, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est à partir donc de la diffusion par les Américains, confirmée par les Russes, n'est-ce pas, de ces résultats, que donc l'opinion centrafricaine, africaine et mondiale était informée de l'existence de cette anomalie. Bien sûr, il est possible que des conclusions aient été déposées en 60, mais alors c'est peut-être un travail de savants et d'experts. Comme vous le disiez, l'essentiel est de voir les perspectives, n'est-ce pas? Et nous, à partir du moment où maintenant... ces résultats sont connus de tous, le gouvernement centrafricain, le peuple centrafricain est fortement intéressé à ce qui se fait sur place pour que, d'une manière ou d'une autre, ce fer-là, ou l'uranium qui existe et dont on a besoin, pour les besoins extérieurs comme pour les besoins nationaux, que cela soit mis en valeur, peu importe le moyen. Et je pense qu'aujourd'hui, où on se bat pour le pétrole, s'il était prouvé que le pétrole se trouve à tant de kilomètres, je pense qu'on ferait tout. L'heure viendra où cet uranium et ce fer se feront parler d'eux, et certainement que notre ami, dans ses conclusions un peu décourageantes pour l'instant, se ralliera pour dire que... C'est-à-dire ce qu'on a bien fait dans le Sahara pour le pétrole, on le fera pour l'uranium. On le fera pour la République centrafricaine, ça c'est une certitude. Passons à la séquence 6. C'est dans les forêts de la Haute Sangha et de la Lobaye que l'on rencontre les pygmées, morphologiquement et socialement différents des autres centrafricains. Ils sont quelques milliers à pratiquer le nomadisme, à vivre de chasse et de cueillette. C'est aux femmes qu'échoit la tâche de couper les feuilles de bananier, élément indispensable à la construction des huttes.
Si les Pygmées ne connaissaient ni le fer, ni la poterie, ni le tissage avant leur contact avec les autres populations, leur culture n'en est pas moins digne d'intérêt. Leur art vocal, par exemple. Utilisant la voix de tête en des combinaisons qui rappellent les chants du Tyrol, ces femmes sont passées reines dans l'art musical polyphonique, imprégné d'un rythme étonnant. Radio Bangui a adopté un chant pygmée comme indicatif de ses émissions. L'habitation est une hutte hémisphérique et ce sont encore et toujours les femmes qui sont chargées de recouvrir l'armature de branches recourbées. Les hommes, eux, sont de remarquables chasseurs. Avec un courage étonnant, ils ne craignent pas d'attaquer le gros gibier, le buffle ou l'éléphant. Sans hésitation, ils se glissent entre les pattes de l'animal pour le harponner plus sûrement, après avoir bien entendu étudié longuement son comportement.